Bonjour mon monde, on se retrouve encore aujourd'hui. On a tellement de choses à se dire. Bon, je me dis, je vais continuer toujours à faire les vidéos, surtout que vous me le demandez. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur la voie de sagesse Teke. Nous allons continuer à parler de ce que se conseignent nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On revient. Aujourd'hui, nous allons revenir toujours sur nos proverbes qui nous parlent pour nous voir, pour nous faire comprendre que c'est important de vivre ensemble. Apiriyi yi, bali pira yame. Eh oui. Quand chez nous, les notables, les dignitaires, les sages, avant de commencer chaque palabre, il faut toujours qu'ils mettent un mot pour donner le silence. Apiriyi yi, bali pira yame. Eh oui, tout ce que nous trompons en des yeux pour regarder et pour observer et comprendre. Alors de là, je vais parler donc de l'ignorance. Oui, les sages disent, Nala lielwe, ndire, yasoi upeko kuli wulu, kaye lawo, so kula wame, i wulu wame. Je répète, Nana lielwe, ndire, yaso peko kuli wulu, kayo so lawo, wolu kula wame, i wulu wame. Si on te demande d'aller chercher un tissu appartenant à un ignorant, ne va pas chercher trop loin. Prends chez toi-même parce que toi, tu en es un. Eh oui, on est tous des ignorants à des degrés différents. Les sages disent encore, Nchimba bari, Nchimba bari. Si la terre est animée, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui l'animent. Sans les êtres humains, la terre serait froide. Eh oui, Nchimba Bari. Les êtres humains sont très importants pour la survie de la Terre même. Quand il n'y aura plus des humains, des êtres humains, ou on va dire des êtres vivants, pour ne pas dire que des humains, des êtres vivants, y compris les fourmis. Eh oui, la Terre n'existera plus. Les sages nous disent encore, Liwol Bari, Kaliwolandawa Barwo.
de Walando Abari, Yabaru Kalwe. Prenez les gens tels qu'ils sont. Ce n'est pas la peine de vous occuper ni de leurs défauts ni de leurs qualités. Prenez-les. Si vous vous occupez que de leurs défauts, vous ne cohabiterez avec personne. Les sages nous disent encore, Ilo Ishila Woli, Ayela Shila Wolwe. Ilo Ishila Woli, Ayela Shila Wolwe. Si tu oublies un objet, si tu oublies quelque chose, etc., oh, mais tu peux aller récupérer, il n'y a pas de problème. Même si tu l'as oublié à des milliers de kilomètres, quel que soit le temps, tu finiras toujours par récupérer. Mais si une idée t'échappe, alors là, cette idée-là, ce n'est pas évident de la récupérer. Et oui, quand une idée t'échappe, on me dit, ah, j'aurais dû. Et oui, c'est fini. J'aurais dû, tu ne peux plus rattraper, j'aurais dû. Les sages ont dit encore, Yo Fulanji, Yo Fulabari, Wolo Fulabari, Wongani Yo Fulabari, Weyenji. Les sages ont dit, Yo Fulanji, Yo Fulabari, Wolo Fulabari. Quand on te présente la richesse matérielle et la richesse humaine, choisis la richesse humaine. Parce que quand tu as les êtres humains, mais tu as la richesse matérielle avec toi, il n'y a pas de problème. Imaginons que tu n'as que la richesse matérielle et qu'à un moment donné, et tu es malade et tout, que tu ne peux pas te lever. Peux-tu demander à ton argent d'aller te chercher quelque chose dont tu as besoin? Non. Les sages ont dit, entre la richesse matérielle et la richesse humaine, choisis la richesse humaine. Les sages ont dit, Kula bala munkele. Kula bala munkele. Aujourd'hui, nous demandons toujours, on est là et dans la recherche de nos valeurs ancestrales. Mais pourquoi en ce moment c'était comme ça? Mais pourquoi c'était comme ça? Mais pourquoi est-ce que nos ancêtres ont accepté ci? Pourquoi est-ce que, voilà. Eh oui, et les sages nous disent, ne nous posez pas trop de questions. Grandissez-vous aussi, vous verrez. C'est la Pintade qui a dit ça à ses poussins. Quand les poussins lui ont posé la question, « Maman, mais pourquoi tu as des plumes si tachetées ?» La maman répond, « Grandis, demain tu verras la tache. » Parce qu'effectivement, les poussins de la Pintade, quand ils naissent, ils ont des plumes toutes blanches, mais après quand ils grandissent au fur et à mesure, ils prennent la tache. Et nous aussi, pareil avec nos sages. Grandissons et nous allons voir la tache. Les sages ont dit, Mbwabia ka wongoku liewo. Mbwabia ka wongoku liewo. Oui, quelle que soit la méchanceté d'un chien, on ne peut pas le donner en pâture au lion ou au panthère. C'est pas Ngwokwe, j'oublie toujours. Oui, c'est pareil avec les êtres humains. Au fait, quand nous vivons avec les autres, on peut dire que celui-là est mauvais, celui-là est tricheur, celui-là est assassin, celui-là est voleur, celui-là... Mais on ne va pas le donner en pâture aux panthères ni aux lions. Et oui, c'est pas... il faut savoir mais cohabiter avec tout ce monde-là. Au milieu d'un village, on trouve un peu de tout. Et maintenant, c'est aux sages, aux dignitaires, à la famille de pouvoir entourer les personnes et naturellement leur donner l'envie de vivre ensemble. Andoanchi ubilimo manwe. Andoanchi ubilimo manwe. Ngalua manmo. Les mots de la terre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut les résoudre. Hein? Mais les sages nous disent, mais si tu penses que tu es capable de les résoudre, vas-y, essaie. Les mots de la terre, personne ne sera capable d'en finir. Tant qu'il y aura des humains, il y aura toujours des problèmes. Quand je dis mots, c'est M-A-U-X. Il y aura toujours des problèmes sur Terre. Et au même moment, ils disent « Boulolando, boulolando ». Autant de maisons, autant d'habitations, autant de problèmes. Et chaque famille a ses problèmes. Et tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, il y aura toujours des problèmes. Personne n'arrivera à en finir. Mais s'il y a quelqu'un qui pense qu'il en est capable, il peut toujours prendre la charge. «
Asongwa, asekwene. Eh oui, asongwa, asekwene. Ben, tu, quand on est là, on vit dans le vivre ensemble, il y a toujours tout, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, essaie un peu de prendre du recul, hein, de réfléchir, essaie un peu de se remettre en cause. Parce que si l'on fait un peu, on raconte un peu tout et n'importe quoi, à la fin on te dit, tu peux faire ta gueule comme tu veux, hein. Tu peux raconter tout ce que tu veux, mais pense aux conséquences. Fais tout ce que tu veux, mais pense aux conséquences. Eh oui, chacun a la liberté de faire tout ce qu'il veut. La liberté de penser, la liberté d'agir, hein, la liberté de s'exprimer. Toute la liberté, on peut faire comme on veut, on peut crier, criarder, etc. Mais il faut toujours penser aux conséquences. On n'oublie jamais, qui sème le vent, récolte. Je pense que vous avez la réponse. Qui sème le vent, récolte. Vous allez trouver la réponse. Et si vous ne trouvez pas la réponse, et vous me demandez, ok? Barando andoa barwe. Barando andoa barwe. Eh oui, dans le comportement, dans le vivre ensemble, mieux vaut toujours prendre beaucoup de recul. Hein? Bon, on dit aussi, hein, qui veut la paix prépare la guerre, tout se dit aussi. Hein? Mais n'empêche que si on peut éviter les guerres, c'est déjà pas mal. Donc, la meilleure façon d'éviter, c'est quelque part de garder sa dignité, de garder son honneur et de pouvoir choisir sûrement des personnes avec lesquelles nous pouvons cohabiter et cohabiter dans le calme, dans la dignité. Quand on est effectivement, quand on est dans ce contexte-là et qu'on ne cherche pas de problème avec autrui, on essaie un peu de vivre autant qu'on peut. Mais cela ne signifie pas qu'il faut se laisser faire. Parce que si on dit « qui veut la paix prépare la guerre », naturellement, nous avons le droit de nous défendre. On ne cherche pas des problèmes, mais qui cherche, trouve. Il y a un sage qui m'a dit ce matin, d'ailleurs je l'ai retenu, il m'a dit ce matin, « Mbulungwa, Mbulungwa, nga adumte lovi uza keekuwo. » Mukuni ungwako, ufani ungwa walo. Je répète, mbulu ungwa ngamo. Nani dwa mte lobi uza, keese lobo. Mukuni ilobi uza iku ungwa, ufana ukali yengu ungwa bilo. Oui, la graine, une seule graine de sel, une seule graine de sel ne peut rien faire dans la nourriture quand nous préparons notre nourriture, quand nous consommons notre nourriture. Pour que le sel puisse vraiment bien suffire tel que nous le voulons, il faut une petite somme de sel, on va dire. C'est comme l'on dit, ce sont les gouttes d'eau qui font l'océan. Là aussi, il faut des plusieurs groupes, on va dire plusieurs gouttes de grains de sel pour que la nourriture puisse être mangeable à notre goût. C'est juste une manière aussi là de dire qu'un seul doigt ne peut pas laver la face. Il faut que nous soyons, nous ayons les 5 doigts déjà ensemble pour laver la face, sinon les 10 pour pouvoir cohabiter. Nous avons comment on appelle ça déjà? Nous avons, pour pouvoir vivre ensemble, il nous faut mettre en place, il nous faut nous unir, car c'est l'union qui fait la force. Nous ne pouvons avoir la force que si nous sommes ensemble. Divisés, nous ne sommes que émiettés, nous ne pouvons pas. Et même les fourmis, quand on les voit, les fourmis sont toujours en famille. C'est très difficile de voir une fourmi seule et encore. Il nous faut cette diversité culturelle. Et même, je le dis et je le répète, le travail que je fais, c'est pour que les diversités que nous sommes, les diversités culturelles du nord au sud, de l'est à l'ouest, en parlant du Congo-Brazzaville et aussi de l'Afrique en général, qu'on puisse se retrouver dans cette richesse que nos ancêtres nous ont léguée.
La force la force de, comment on appelle ça, des vidéos que je fais, c'est que les gens au-delà des frontières regardent ces vidéos et se retrouvent. Et je suis très heureuse car là, je suis en train de faire un travail, je pense, qui servira à la génération présente et future. Mon monde à moi, j'ai toujours dit, je suis riche de vous et vous, vous êtes riche de moi. Ensemble, nous formons l'égrégore. Et cet égrégore devra continuer encore et encore. J'ai été très heureuse de vous faire passer ce petit message aujourd'hui. Comme je le dis tout le temps, personne ne sait tout. Qui sait tout ne sait rien. Le peu que j'apporte, c'est le peu que je sais. Vous aussi, vous devez apporter. J'attends vos commentaires. Toujours dans l'amour fraternel. Toujours dans le vivre ensemble, toujours dans la fraternité. Quand j'ai dit ainsi, je vous dis à très bientôt. C'était Manco, la reine du royaume Téké.